Coucou tout le monde, je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une veille plus jour de la rentrée version 2023. Pour moi, une veille de la rentrée, c'est une journée comme une autre. Du coup, je vis ma vie, je prends pas vraiment, on va dire, du temps pour moi, pour du shopping comme font certaines personnes. Moi, non. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est la cuisine. Du coup, là, je vais dans mon potager prendre quelques légumes pour faire à manger pour ce soir, tout simplement. J'adore tester de nouvelles recettes et là je fais une tarte courgette tomate moutarde et feta avec quelques épices. Je vous ai pas montré les épices que j'ai mises mais j'en ai mis et par-dessus j'ai rajouté un peu d'emmental pour que ça gratine tout simplement. Je vous ai mis en accéléré. Vous pouvez trouver ça bizarre, mais le ménage, ça me détend parce qu'à la fin, j'ai la satisfaction d'un endroit propre, hein, tout simplement. Donc là, j'ai décidé de faire ma chambre. Je vous ai pas tout filmé, bien évidemment, parce que vous savez ce que c'est que le ménage. Je vous ai montré quelques parties. Il y a une vidéo qui va sortir prochainement où je vais organiser mon bureau pour la rentrée. J'ai fait une vidéo l'année dernière. J'ai pris ma douche, j'ai lavé mes cheveux puisque c'était mon jour où je lavais les cheveux. J'en ai profité pour vous montrer les produits que j'ai utilisés pour les laver. Je vous ai pas montré, enfin, comment je faisais mes cheveux, etc. Parce que je vais faire une routine sur ça. Je fais un masque aussi une fois par semaine. La semaine dernière, j'ai fait au charbon. Mais là, j'ai décidé de faire celui-ci. Je l'ai acheté chez Action d'ailleurs. Après ma douche, c'était l'heure du goûter. Je savais pas quoi prendre. Du coup, j'ai pris un bol de lait avec des euros. Parce que chez ma meilleure amie, j'ai passé une semaine là-bas. Et on en a mangé. Puisqu'on en avait acheté des euros. Et moi aussi, j'en avais acheté. Du coup, on en avait pas mal. Donc, on a bien profité sur ça. On mangeait ça devant le drama coréen, d'ailleurs. L'Empire du Sourire pour les curieux. On l'a toujours pas fini. J'ai goûté mes Oreos tout en regardant ma série préférée de tous les camps, Chicago PD. Quand je sais pas quoi regarder, je regarde cette série. C'est vraiment une série où je me lasse pas en fait.
Le soir est arrivé et c'était l'heure de manger. Comme vous pouvez le voir, ma tarte, elle est cuite. Elle est vraiment trop belle. C'est la première fois que je mangeais ça. C'était bon, mais c'est pas une recette que je vais refaire tous les jours, bien évidemment. Passons à ma routine du soir. Encore une fois, je vous ai pas détaillé puisque je prévois une vidéo sur ça, mais je vous ai quand même montré pas mal de produits. Je m'excuse d'avance, mais quand j'ai appliqué l'huile pour mes cheveux, le focus s'est arrêté. Du coup, tout le long de ma routine du soir, c'est flou. J'espère que ça vous dérange pas. J'ai une routine avec mon chien le soir, c'est que je vais dehors avec lui. Lui, il fait ce qu'il a à faire, ses besoins, etc. Et puisqu'on a un noisetier chez nous, j'en profite pour en ramasser. C'est vraiment, on va dire, un passe-temps. Je reste bientôt une heure dehors à faire ça. Bon, là, j'ai passé peut-être que 20 minutes à peu près, puisque mon chien, il voulait rentrer, du coup, je suis rentrée. Mais puisqu'on a des noisettes et que c'est gratuit, j'en profite de les ramasser et de les trier. Je trouve que les bougies ça détend vraiment, ça donne un petit côté cocooning, ça embellit une pièce le soir je trouve, et puis ça donne une bonne odeur. Donc là c'est une bougie à la vanille, ma mère en a acheté il n'y a pas si longtemps que ça, et je l'allume vraiment tous les soirs, uniquement le soir, et j'en ai profité pour commencer un nouveau livre. C'est La Petite Sirène, pour ceux qui connaissent pas les contes interdits, ça reprend des contes version horreur. Le jour se lève, il s'est levé depuis pas mal de temps d'ailleurs. Voilà ma routine. Je vous ai pas filmé ma routine soin du visage parce que c'est exactement la même que celle du soir. Il y a juste la crème qui change. Je voulais quand même montrer. Mais je vais aussi faire une vidéo sur ça parce que ça change de temps en temps. Parce que si je me maquille, ma routine du matin change. Mais puisque je me suis pas maquillée la veille, elle a pas changé. J'ai pris mon petit déjeuner. J'ai pas fait quelque chose d'énorme, j'avais pas très très faim, j'ai préparé mes habits, j'aime trop ma tenue, je vous prévois une vidéo sur les idées tenues parce que j'ai fait du shopping avec ma mère il y a pas si longtemps que ça, et mon Dieu, les pépites que j'ai dénichées, c'est incroyable. J'ai pris du temps pour vous montrer ma tenue, mais je la trouve vraiment trop belle. On est trop bien dedans. J'en ai profité pour préparer mon sac. Donc là, j'ai pris un trieur pour les papiers qu'on me donne, puisqu'on m'en donne souvent. J'ai aussi pris un petit carnet pour noter
des petits trucs qu'on me dit. À mon ancien travail, j'avais un jour de formation. Mais puisque là, ma rentrée, c'est au mois de septembre, je sais pas si je vais avoir des jours de formation. Mais je sais qu'on va me donner énormément de papier. Donc, j'ai prévu tout ça. J'ai pris quelques stylos au cas où que je dois noter des choses. Ça, c'est surtout pour le premier jour ou pour les jours qui... Enfin, la première semaine, quoi. Parce que j'ai dû noter aussi des choses lors de mon premier travail. Du coup, j'ai prévu. Je vous remontre ma petite tenue avec le petit sac. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous retrouve dans une autre vidéo. Bisous tout le monde!